Bonjour Gabriel, ici on va continuer la correction des exercices que tu nous as envoyés sur le site sur les mouvements MRU et MRUA. Alors regardons ici cet exercice. Ici ils te disent, une policière placée en bordure du chemin mesure la vitesse d'un automobiliste et détecte que ce dernier roule à 72 km à l'heure dans une zone où la limite de vitesse permise est de 50 km à l'heure. La policière part à la poursuite de l'automobiliste à peine 5 secondes après le passage de celui-ci. La policière accélère d'abord au taux de 12 km par heure par seconde jusqu'à ce qu'elle atteigne la vitesse de 108 km à l'heure. Si on suppose que l'automobiliste ne ralentit pas, détermine combien de temps prendra la policière à rejoindre l'automobiliste et à quelle distance de son point de départ elle le rejoindra. Donc au fond, qu'est-ce qui s'est passé ici? Tout simplement, ils nous disent qu'il y a une automobiliste qui est au bord du chemin, donc je vais tracer ici le chemin. Et qu'est-ce qu'il voit? Il voit qu'il y a un automobiliste, un chauffard, donc une policière placée en bordure du chemin mesure la vitesse d'un automobiliste et détecte que ce dernier roule à 72 km à l'heure dans une zone où la limite de vitesse permise est de 50 km à l'heure. Donc ici, il voit, donc j'ai l'automobiliste, j'ai la policière. Donc je vais sortir l'information de chacun. Alors l'automobiliste, lui, il roule à une vitesse de 72 km à l'heure. La policière voit que l'automobiliste roule très rapidement. Donc l'automobiliste vient comme ça. Il va parcourir une certaine distance. Ici, ça c'est l'automobiliste. Et puis, qu'est-ce qu'ils nous disent? La policière part à la poursuite de l'automobiliste à peine 5 secondes. Donc, quand la policière a vu que l'automobiliste était un chauffard, il va monter dans son char, mais il va faire un retard, donc retard, avant de partir de 5 secondes, parce que c'est le temps que ça lui a pris de partir dans son char, le mettre en route et puis partir. La policière part à la poursuite 5 secondes après le passage de celui-ci. La policière accélère d'abord au taux de 12 km à l'heure par seconde. Donc, elle a fait une accélération A de 12 km à l'heure par seconde. Et qu'est-ce qui s'est passé? Jusqu'à ce qu'elle atteigne la vitesse de 108 km à l'heure. Donc, elle a atteint la vitesse de 100 km, de 108 km à l'heure. Et là, il n'a plus accéléré. Donc, à l'heure, 108 km à l'heure. Et ici, ils nous disent, si on suppose que l'automobiliste ne ralentit pas, détermine combien de temps prendra la policière à rejoindre l'automobiliste et à quelle distance de son point de départ. Au fond, on a deux mouvements, j'ai l'automobiliste et j'ai la policière. Ici, ça, c'est la policière. Et là, comme l'exercice précédent que je t'avais envoyé, on avait encore le mouvement de deux objets. Quant à les mouvements de deux ou plusieurs objets, on étudie toujours chaque objet tout seul. Donc ici, je vais étudier le mouvement de l'objet ou bien de l'automobiliste A. Je vais étudier le mouvement de l'automobiliste P, c'est-à-dire de la policière P. Et puis chacun, je vais l'étudier indépendamment. Et là, je me demande après, qu'est-ce qui relie les deux mouvements? En fait, ce qui relie les deux mouvements, c'est la distance et le temps. Tout simplement, l'automobiliste A, lui, dans sa fuite, il va parcourir une distance delta XA. La policière qui va le poursuivre va parcourir une distance delta XP. Alors, quel est le lien entre les deux? Eh bien, c'est qu'ils vont parcourir la même distance à partir du moment où la policière l'a vu, c'est-à-dire l'a mesuré. Eh bien, ils vont parcourir la même distance. C'est ça ce qui relie les deux mouvements. Donc, j'ai les deux mouvements, j'ai delta XA égale delta XP, ça veut dire la distance parcourue par le chauffard est égale à la distance, ou bien le déplacement du chauffard est égal au déplacement de la policière. Donc ça c'est mon équation que je vais utiliser, que je vais utiliser pour déterminer par exemple le delta t, donc là où je vais isoler la variable. Au fond, qu'est-ce que je dois faire? J'étudie le mouvement de l'automobiliste pour calculer le delta x1 et j'étudie le mouvement de la policière pour déterminer le delta xp. Moi ici, je vais utiliser un diagramme, j'utilise le graphique des vitesses pour les deux mouvements. Celui de la policière et celui de l'automobiliste. Donc, je vais utiliser un mouvement de vitesse, c'est-à-dire un diagramme de vitesse. Pourquoi un diagramme de vitesse? C'est toujours préférable de faire un diagramme de vitesse si c'est possible. Pourquoi? Parce qu'un diagramme de vitesse, ça te donne en généralement le plus d'informations possible, parce qu'il, lui, il est entre l'accélération et le déplacement. Parce que j'ai le déplacement qui me donne la vitesse, vitesse qui me donne l'accélération. Donc, j'ai celui qui est en milieu, donc il est entre l'accélération et entre la position. Donc, c'est un beau diagramme si je peux le faire. Donc ça c'est la vitesse, ici c'est le temps pour l'automobiliste, ça c'est la vitesse et ça c'est le temps pour la policière. Là je sors les informations pour chacun, ici il me donne la vitesse 72 km à l'heure. Ah là on va faire la conversion, regarde, il y a un truc facile, si j'ai les kilomètres à l'heure,
et que je vais passer au mètre par seconde, eh bien, tout simplement, je vais faire une division, je divise par 3,6. Et si j'ai les mètres par seconde et que je veux avoir les kilomètres par heure, tout simplement, je multiplie par 3,6. Un truc pour ça, se souvenir quand je fais la division, toujours, les kilomètres à l'heure, en valeur, sont toujours plus grands que les mètres par seconde. C'est pour cela que je dois diviser par 3,6. Le contraire, c'est fois 3,6. Donc, ici, la vitesse, ça va être, je vais le faire en mètres par seconde. Donc, la vitesse ici, je vais faire 72. Donc, 72 qui divise 3,6. Ça me fait 20 mètres par seconde. Là, pour l'accélération, donc je vais le calculer elle aussi en mètres par seconde. Donc j'ai 12 km par heure par seconde, donc 12, qui divise 3,6. Ça me donne 3,33 périodiques, donc 3,33 périodiques mètres par seconde carré. La vitesse elle aussi de de la policière, 108 qui divise 3,6, ça me fait 30 mètres par seconde. Voilà, donc j'ai toutes mes vitesses en mètres par seconde, comme ça je suis tranquille. Maintenant, regardons le mouvement de l'automobiliste A. Ils disent que l'automobiliste A ne ralentit pas, il va garder sa vitesse. Ça veut dire qu'on aura un mouvement MRU à 20 mètres par seconde. Et son mouvement, ça va être toujours une droite, comme ça. La vitesse est constante, donc ça va être comme ça. Maintenant, regardons la policière. La policière, ils nous ont dit, il a pris un retard pour monter dans le char. Donc, ici, 5 secondes, il a pris un petit retard de 5 secondes. Et à partir de 5 secondes, il va accélérer pour atteindre une vitesse de 30 mètres par seconde. C'est la vitesse maximale, 30 mètres par seconde. Donc, il va accélérer, on va la faire accélérer. Donc, je vais le faire dans mon diagramme. Il va accélérer jusque-là. Et là, qu'est-ce qu'il va faire? Et il va garder sa vitesse jusqu'à rattraper l'automobiliste. Je sais qu'à un certain moment, ben, la policière va le rattraper, donc à un certain instant, donc un instant T ici, je mettrai le T. À un instant T, il va rattraper l'automobiliste, donc, c'est-à-dire leur mouvement va finir ici. C'est ici pour la policière et pour l'automobiliste. Voilà, donc voilà, j'ai résumé mes informations dans mon diagramme et maintenant je vais passer en mode solution. Pour trouver la solution, on a dit qu'est-ce qu'il faut trouver. On doit trouver le delta XA, c'est-à-dire la distance parcourue par le A et la distance parcourue par la policière. Maintenant, je vais te montrer encore l'aide-mémoire ou bien les formules que tu dois connaître. Eh bien, c'est ça, tout ce que tu dois connaître sur les mouvements MRU et MRU. Nous avons les formules et nous avons les graphiques. Donc, quand j'ai un graphique, si j'ai le graphique de la vitesse, eh bien, l'air sur le graphique, ça me donne le déplacement. Si j'ai le graphique de l'accélération, l'air sur le graphique, ça me donne, en fait, la variation de la vitesse, c'est-à-dire le delta V. Donc, ici, j'ai un graphique de vitesse, et bien, l'air sur le graphique, ça me donnera le déplacement. Donc, je vais utiliser cette information-là pour calculer les delta X A et les delta X B. Donc, au fond, ici, ça, c'est mon delta X A, c'est-à-dire delta X de l'automobiliste, et ça, c'est le delta X de la policière. Alors, commençons par calculer le delta X A. Alors, delta X A, c'est-à-dire le déplacement de l'automobiliste, ça, c'est un rectangle, donc c'est l'air du rectangle. Et l'air d'un rectangle, c'est quoi? C'est x fois hauteur. Qui, au fond, me donne... Alors, là-bas, c'est d'ici à ici, et ça, c'est t, parce que c'est zéro. Hein? C'est l'instant où il va commencer, où il a aperçu. Donc, ça va faire t, ça, c'est la base, fois la hauteur, c'est 20 mètres par seconde. Je fais le ménage d'une manière algébrique. On écrit toujours les nombres ou bien les chiffres devant les lettres. Donc, j'ai fait 20 mètres par seconde, t. Donc, voilà le delta xa. Ça, je l'ai déjà trouvé. Il suffit que je l'écrive ici. 20 mètres par seconde, c'est égal. Maintenant, je dois aller chercher le delta X P pour la policière. Alors, delta X P pour la policière. Alors, pour la policière, c'est un trapèze, mais moi, je vais le partager en triangle et rectangle. Je préfère ça, c'est plus facile. Ici, plus intuitif et plus visible. Et j'ai comme ça, ça c'est la hauteur. Eh bien, donc ça, c'est l'aire du triangle plus R du trapèze, du rectangle, pardon. Commençons par l'aire du triangle. L'aire d'un triangle, c'est quoi? C'est base fois hauteur qui divise 2. La base du triangle, c'est ici. On ne la connaît pas. Pourquoi? Parce que je ne connais pas celle-là, je ne sais pas à quel instant il a fini son accélération. Et c'est là où je vais étudier les mouvements. Parce que ce morceau de droite-là, c'est un MRUA. Pourquoi c'est un MRUA? Tout simplement parce que la vitesse ici change, c'est un MRUA. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais faire MRUA
et je vais résoudre un problème de Umuria. Pour un problème de Umuria, je dois regarder le déplacement pendant l'Umuria, je dois regarder le delta t pendant le Umuria, la vitesse initiale, la vitesse finale et l'accélération. Alors, pendant ce mouvement Umuria, je connais l'accélération, c'est 3,33 périodique mètres par seconde carré. La vitesse initiale, le Umuria commence ici, le mouvement, il commence ici, c'est-à-dire sa vitesse initiale était 0 mètres par seconde. Sa vitesse finale, c'est ici où ça va finir mon Umuria, c'est 30 mètres par seconde. Et qu'est-ce que je vais, moi, je vais faire le temps. Alors là, je regarde encore mes formules, tu vois ici, on pourrait utiliser les graphiques et les formules en même temps. Tout simplement, il suffit de bien les maîtriser. Donc, pour les formules, donc je vais effacer en premier tout ça. Voilà. Et puis là, les formules, je dis, je cherche le delta T. Pardon. Donc, je cherche le delta T, ici. J'ai la vitesse initiale, j'ai la vitesse finale, j'ai l'accélération. Et ben je vois, il y a plusieurs formules. Celle-là, par exemple, celle-là aussi, je pourrais l'utiliser. Donc, je connais la vitesse finale, la vitesse initiale, je connais l'accélération, je peux trouver le delta t. Donc, j'écris ma formule ici, c'est celle que je vais utiliser. Vitesse finale égale vitesse initiale plus A delta t. Pour trouver le temps du Umuria, pendant le temps pendant lequel la poussière accélère. Eh bien, tout simplement, la vitesse finale, c'est combien? Eh bien, la vitesse finale, c'est 30 mètres par seconde égale vitesse initiale, c'est 0 mètres par seconde, plus l'accélération, c'est combien? Donc, je vais le faire ici pour avoir plus d'espace. Donc, ici, je vais le faire ici. Donc, je vais remonter encore un petit peu le tableau. Voilà, et je vais le faire ici. Donc, j'ai vitesse finale égale vitesse initiale plus A delta T. Vitesse finale, c'est 30 mètres par seconde. Vitesse initiale, c'est 0 mètres par seconde. Plus, le A, c'est 3,33 périodique mètres par seconde carré, delta T. Alors maintenant, il suffit que j'isole la variable. Eh bien, maintenant, je pourrais même effacer ici. Parce que je vais tout simplement isoler la variable. Donc, ça va faire ici. Donc, 0 mètres par seconde, ça, je peux l'ignorer. Donc, ça me donnera finalement 30 mètres par seconde égale 3,33 périodique mètres par seconde carré, delta T. Je divise par 3,33 mètres par seconde carré. Je divise par 3,33 mètres par seconde carré. Et puis, ça me donnerait mon delta T. Elle est égale dans calculatrice. Donc, j'aurai 30 qui divise 3,33. 3 périodiques, c'est tout simplement mettre autant de 3 que vous pouvez. C'est ça périodique. Ça me donnerait 9 secondes. Donc, ça lui a pris 9 secondes pour accélérer. Donc, d'ici à ici, ça c'est, d'ici à ici, c'est 9 secondes. Ça veut dire à quel instant il a fini son accélération? 5 plus 9, c'est 14. 14 secondes. Ça, c'est l'instant où il a fini son accélération. Mais combien le temps a duré l'accélération? C'est 9 secondes. Donc, maintenant, je peux revenir maintenant pour calculer mon R. Donc, maintenant, je peux effacer tout ça. J'ai calculé l'R. Donc, je vais faire encore ça. C'est base fois hauteur qui divise 2. Alors maintenant, la base maintenant c'est 9 secondes, qui multiplie la hauteur. La hauteur c'est d'ici à ici, ça c'est 30 mètres par seconde, qui divise 2. Alors ça me fait combien? Donc on va faire le calcul. Donc 9 fois 30 égale, qui diviserait 2, égale 135 mètres. Donc l'aire du triangle c'est 135 mètres. Plus, maintenant je vais calculer l'aire du rectangle. Alors, l'aire du rectangle. L'aire d'un rectangle, c'est base fois hauteur. Ici, la base, ça serait quoi du rectangle? Le rectangle, c'est la base d'ici à ici. Autrement dit, je sais que d'ici à ici, tout ça, c'est T. Et je sais que d'ici à ici, c'est 14 secondes. Pourquoi? Parce que d'ici à ici, c'est 14 secondes. Et là, lui a pris 5 secondes pour monter dans le char, il lui a pris 9 secondes pour finir son accélération, donc ça c'est 14 secondes. Donc, d'ici à ici, la base du rectangle, c'est T moins 14 secondes. Donc, T moins 14 secondes, fois la hauteur. La hauteur, c'est d'ici à ici, c'est 30 secondes, 30 mètres par seconde. Là, je vais faire la distributivité. Alors, T fois 30 mètres par seconde, ça va faire 30 mètres par seconde T.
Et puis 30 fois moins 14, ça c'est le calculateur qui va nous le donner. Donc 30 fois moins 14, ça me donnerait moins 420 mètres. Et là, je vais l'ajouter avec le triangle, donc c'est 30 mètres par seconde t, moins 420 mètres. Alors, je fais le ménage, 135 et moins 420, ça, je pourrais les rassembler. Donc, ici, j'ai moins 420, je vais faire plus 135. Ça fait moins 285, donc ça ferait 30 mètres par seconde t, moins 285 mètres. Et là, je viens de calculer la distance que parcourra la policière. Donc, la policière va parcourir quoi? 30 mètres par seconde, moins 285 mètres. Alors, maintenant, je pourrais tout effacer. Donc, pour ne pas avoir un tableau trop encombré, donc je pourrais effacer ici. Et maintenant, qu'est-ce que j'allais faire? Eh bien, isoler la variable. Eh bien, j'ai ici, ça c'était, hein. Donc, j'ai, ça, c'est le T et le T. Je vais rassembler le T en un trou. Donc, je vais faire moins 30 mètres par seconde T. Donc, ici, je vais... 30 mètres par seconde T. Alors, 20 moins 30, ça me ferait moins 10. Donc, c'est moins 10 mètres par seconde T, qui est égal... 285, moins 285 mètres. Je divise par moins 10 mètres par seconde. Je divise par moins 10 mètres par seconde. Qui me resterait t est égal à 28,5 secondes. Voilà. Donc, il va le rattraper à l'instant de 28,5 secondes. Ça veut dire d'ici à ici, quand il va le rattraper, le t, c'est 28,5 secondes. Donc là, je pourrais déjà écrire la première réponse. Et le rattrapa après 28,5 secondes. Maintenant, ils me disent à quelle distance donc je dois trouver le delta x. Et n'oubliez pas que le delta x, la distance qui sera parcourue, est la même que pour le xa et le xp. Donc là, je vais effacer ici. Je sais que la distance parcourue par le a, c'est celle-là. C'est ça le xa. Donc je vais calculer ici. Donc delta xa, l'automobiliste aura parcouru 20 mètres par seconde fois 28,5 secondes, qui me donnerait finalement, alors je fais 20 fois 28,5, 20 fois 28,5, qui me donnerait 570 mètres. 570 mètres, il va le rattraper à 570 mètres. Maintenant, on va faire tout simplement pour la policière delta XP. On est supposé trouver la même chose, sinon on s'est trompé. Si on ne trouve pas le 570, c'est qu'il y a une erreur. Pour la policière, c'est 30 mètres par seconde fois le delta t, ça veut dire 28,5 secondes moins 285 mètres. C'est ça la distance qu'a parcouru la policière. Alors, faisons le calcul. Ça va faire 30 qui multiplie 28,5 moins 285. Ça ne fait 570 mètres. Donc, voilà. Et là, je pourrais faire la réponse. Je vais dire que delta x, ou bien il va le rattraper à une distance de 570 mètres. Donc, voilà pour cet exercice. C'est un exercice très intéressant. Encore une fois, peut-être que tu vas encore demander pourquoi, quand est-ce que je vais utiliser le graphique. C'est tout simplement le graphique, tu peux toujours l'utiliser pour n'importe quel exercice. Tu peux toujours utiliser ton graphique de vitesse ou ton graphique de position ou ton graphique d'accélération. Le graphique de vitesse est toujours le plus intéressant parce qu'il rassemble toutes les données et surtout si tu as des objets ou bien des mouvements qui ne sont pas uniformes, MRU ou bien MRUL, sans le mélange de ces deux-là. Tu peux toujours mélanger les formules avec les graphiques, mais les solutions graphiques parfois sont plus faciles à utiliser que les formules. Donc voilà pour cet exercice. On corrigera les autres exercices que nous avons envoyés dans d'autres cours. Donc comme ça, alors bonne chance.